Edward. Paf, c'est à jour. Modification du truc. Tip-top. Allez. C'est bon. Tout est en place. Donc bonjour et bienvenue pour ce stream de la détente. Avant de commencer à 20h Golden Eye, je stream des jeux de mon adolescence, mon enfance, des streams de la détente, enfin, des jeux de la détente, des trucs tranquilles. On se prend pas la tête. Bref. Du bonheur. Nancy. Et du coup, on prend du plaisir. Sans se prendre. Là, je vais faire un petit moment. Donc Snowboard Kid sorti je ne sais plus quand sur 64. Petit jeu de course de snowboard. Ready? Très très agréable. Go! Vraiment très très sympa, une bonne bande son, un bon jeu vraiment très agréable. Alors j'ai débloqué tout. Voilà, j'ai tous les persos, j'ai tous les snows, j'ai toutes les courses, j'ai tout. Tout simplement tout. Et du coup, on profite. Ça, normalement, on peut pas le faire si on n'a pas la. Si on a un snow normal, on peut pas faire ça. Mais comme j'ai la plume, qui permet de rester en l'air plus longtemps, je peux me permettre de faire des sauts au fur et à mesure. Ah, évidemment, comme dans tout jeu de course, le but étant d'arriver premier, hein. S'entend. Avec des objets à la main au cœur. Donc là, j'ai les bombes pour attaquer, j'ai une espèce d'invulnérabilité en défense. Et là, ils m'ont balancé un fantôme qui me ralentit. Voilà. On va lancer un petit parachute. Un autre petit parachute. Voilà. Et quand vous faites des sauts, si vous faites des sauts avec des figures, vous gagnez plus de thunes. Ce qui vous permet de débloquer et les circuits et d'acheter surtout des snowboards plus performants. Et une particularité du jeu en fait, c'est que à la ligne d'arrivée, comme dans toute bonne station de ski, il faut trouver le tire-fesse. Et du coup, il est à droite là. Mais c'est à dire que quand vous êtes beaucoup, là il y en a qui vont arriver. Alors ça se passe bien. Donc quand ça arrive fluidement, ça va, mais quand on arrive tous en même temps, bah, c'est promis, ça va. Donc du coup, il peut y avoir des trucs. Parfois, ben, vous
vous êtes premier, vous vous plantez, et puis du coup, vous finissez quatrième. Parce que... Parce qu'on vous est passé devant. Mais c'est un excellent jeu. Enfin, c'est un jeu où j'ai un fort potentiel affectif. C'est pas un jeu qui est très difficile en soi. Par contre, il y a certaines courses qui sont quand même un peu random, parce que bah, les objets, parfois, ça vous tombe sur la gueule, donc voilà. Mais globalement, avec un niveau même relativement moyen, probable, on peut arriver à la fin du jeu sans trop se prendre la tête. Pour moi, c'est pas un jeu très bien. Il y a un 2 que j'ai pas fait. Je vais peut-être essayer le 2. Mais je l'ai pas là, que je télécharge. Donc voilà, c'est très reposant comme jeu. Oups. Là voilà, ça c'est l'erreur à la con qui va me faire perdre ma première place. Voilà, hop, un petit cap. Ah là, hop, je reprends la première place. S'il vous plaît, monsieur. Oups. Alors la plume n'est de loin pas le snowboard le plus rapide. Mais il me permet de faire de jolis sauts, et comme j'aime bien faire de jolis sauts. Aïe, ça aussi ça c'est très con. Alors, toi tu dégages bien. Voilà. Ah merde, je vais me ramasser le mur à la fin. Oui, non, oui, non, oui, non. Le salaud, le swallow. Thank you. Et des sous. Bon, comme j'ai déjà tout acheté, j'ai plus tellement d'intérêt à avoir des sous, mais bref, ça me permet de... Alors, skill game, time attack. Sunset Rock. Bon, ça c'est le premier niveau, il n'est pas très intéressant. Mais il est clairement pas intéressant. Mais paradoxalement, il est bien parce que il est entre guillemets intense. Vu comme les bonus sont rapprochés, etc., ça peut être intéressant. Ready? Et les musiques sont... Moi je trouve qu'elles sont cool. Je vous rappelle qu'on est sur la Nintendo 64 quand même. Ah merde, j'ai plus de sous. Ah oui, les bonus se prennent avec des sous. Ça vous coûte 100 dessous à chaque fois que vous les prenez en bonus. Donc d'où l'intérêt de pouvoir faire des sauts qui rapportent un peu tutune. Lucky. Lucky. Ça c'était... Voilà, oui, non, c'est bien. Bon, on démarre avec des pièces, très bien. Et pas de petits profits. Les longues pentes. Les cailloux. Tire-toi, mec. C'est moi qui passe.
Oups. Je peux essayer de sauter. Ah, on va commencer. Ah non! J'ai fait un saut à la con, j'ai pas encore touché tout. Ah, ça m'embête. Hop là. Un petit fantôme pour le premier. Je passe à travers les pièces, je sais pas. Je ne sais pas si c'est normal. Je passe pas à travers toutes les pièces. Mais... Tiens, un petit fantôme pour la première. Allez, la bombe, on se fait plaisir. On a d'autres en stock des bombes du con. Oh 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 oh. Voilà, oui, alors c'est le problème avec la plume aussi, c'est que parfois on va un petit peu trop trop loin. Et du coup on rate le son. Alors, bim bim bim. Alors le pipe, le pipe. Tiens, reprends une poussette, toi. Toi aussi, tiens. Oui. Yeah. Il est où le plat? Puis c'est aussi un jeu extrêmement coloré et très agréable. Ouais, j'aime beaucoup le jeu. Il est très très agréable ce jeu. De façon générale, sur Nintendo 64, les jeux ont beaucoup de couleurs. Certaines mauvaises langues diraient actuellement jeu pour enfants, mais. Allez! Wow! Je me fais agresser par des bonnes de neige. Tiens, prends. Prends un bonhomme de neige. Oui! Attention le pacon! Oh là là! Un petit caillou histoire qu'il se vautre. Faire un petit saut. Mais merde, je crois que je l'avais réussi. Oh. J'ai le nez qui gratte, c'est une atrocité. Est-ce qu'il faut sauter pour avoir le pièce? Aïe 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 aïe. Voilà, donc si on se cogne pendant un saut, on ne gagne pas du tout, c'est normal. De pas se planter cette fois. Raté. Bon, moi je suis pas content. Un saut. Ah voilà. Paf! Ah non, il faut pas que je saute là. Hop là, voilà. On va faire deux fois la même erreur quand même. Je ne peux pas esquiver. Le démarrage aussi est un peu plus long, puisque la plume reste... On reste plus longtemps en l'air, avec la plume.
Du coup, c'est un peu problématique quand on veut redémarrer très vite. Olé, le mur dans ta gueule! Très bien! Oh putain! Ça part même pas. Bon, voilà. Ça, ceci ne sert à rien. Ah! Quoi? Oh! Ah, oh, oh, oh. Wouah, la vache! Tiens, prends aussi ça, mon. Ah merde! J'aime pas le. Le caillou, ça sert à rien. Et hop. Voilà, faisons-nous plein de thunes. C'est moi qui passerai. Tiens, prends caillou. Je me demande s'il n'y a pas moyen de baiser le jeu en sautant directement entre les deux. Ah zut, j'ai raté. Parce que évidemment, alors pour faire les sauts avec les étoiles bleues, il y a une combinaison de direction à faire. Et de touches, parfois. Ça dépend du personnage que l'on prend. Et pour faire les étoiles jaunes, il suffit juste de faire un saut. Après, vous pouvez faire les C droite-gauche. Ah, de nouveau raté. Pour essayer de tenir votre saut. Pour avoir plus de sous. Oula, pas possible. Alors le personnage que j'ai pris, là, est le plus lent du jeu. Mais par contre, elle négocie mieux que les autres les virages et a plus de sauts spéciaux que ses petits copains. Du coup, comme j'aime beaucoup faire des sauts, je trouve que c'est très cool. Et bien, celle que j'ai choisie. Le meilleur personnage reste Shinobin, qui est le personnage caché du jeu et qui possède 3 snows spéciaux juste pour lui. Il n'a pas accès aux snows. Et c'est un personnage très dur à battre. Attention. Nous sommes dans Snowboard Kids, relativisons les traités. Aïe. Oui, je vole. Ah, celui-là, j'aime beaucoup. Du coup, je voulais changer de snow, mais je vais pas changer. Je changerai au prochain. Grass Valley, je peux faire. Je peux prendre un autre snow. Ready? Go! Attention! Y'a la foutre! Ah, mais je rate chaque fois mon saut. Et hop, petit raccourci. Il y en a plusieurs dans celui-là. C'est un bon niveau pour les raccourcis. Il y en a un que tu peux pas prendre avec la plume parce qu'il faut, faut être à la frame au niveau du virage. Et du coup, à chaque fois, je vais être beaucoup trop loin. Je crois que c'est là. Ah non, c'est pas là. Par contre, là, je vais beaucoup trop loin aussi. Enfin, c'est là.
Là, il y a le... Je peux essayer de le faire comme ça. Ça passe pas. Oh bah vas-y, profite. Oh là là, la totale. Trois tours, c'est bon, j'attendrai. Tenez, mangez bien vos pièces là, les gars. Là, tiens. Ah oui. Alors attention, deuxième. Oui, c'est bon. Un peu périlleux la prise du raccourci. Je sais pas si j'ai vraiment gagné. Bon. Viens là mon loulou. Alors, je vais me ramasser le mur, changer. Voilà. Vas-y, pousse-moi. Oh là là, c'est la suite de maladresse. Ça, c'est pas du tout ce que je vais faire. Bon. Avançons. Nous avons encore deux tours pour revenir premier. Non, dégage, gros. Ah, ça va. Puis évidemment, c'est sur ma pomme que ça va tomber. What? Alors là, j'aimerais freiner. Parce que je vais me ramasser le mur, voilà. Bon, voilà, ça c'est classique. Justement, c'est ce que je disais, c'est qu'on peut très bien se ramasser le mur. Et bam! Par contre, le truc bizarre aussi, c'est que tu ne peux pas utiliser d'objets si tu es... Mais non, je peux pas. Si tu es... Si tu es en l'air. Si tu bouges pas le sol, tu ne peux pas utiliser d'objets. Vas-y, mais passe-moi devant, machin. Tiens, prends ça dans la gueule. Oula. Voilà, bon. Est-ce que j'arrive à faire un méga jump? Ouais, non. Ok. C'était une tentative de... minable. Alors, est-ce que j'arriverai là, si je le prends bien? Je suis passé au travers du mur, c'est pas terrible. Bon. Essayons de jouer mieux. Ah ouais, parce que là, clairement, on est en gros peloton, c'est pas terrible. Quand même, essayer d'avancer. Pas quoi tu joues mon grand. Merde, mais je suis con. J'ai vu le point d'exclamation et j'ai pas. Viens devant moi, oui, viens, c'est une idée. Viens. Ah merde. Salaud. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire, c'est le parachute, c'est essayer de le mettre. Merde. De le mettre là où il y a un méga saut à faire. Good.
Bon, dernier tour. On va essayer de pas se vautrer. C'est dommage. Ah, mais à chaque fois, je me rate. Il faut aussi savoir que les décors en haut n'existent pas. Donc, c'est-à-dire, n'ayez pas peur de vous cogner la tête. Ça ne vous fera rien. Bon, je vais pas essayer de le prendre celui-là parce qu'à chaque fois je me vote. Ah mince! Réflexe un petit peu trop hâtif. Oui! Est-ce que j'arrive à choper? Oh, ça va être difficile. Par contre, toi, mon grand! Allez, bim! Voilà, prends-toi pour la chute. C'est bon pour ce que t'as. Et moi, j'ai vite, bien entendu, le... avec beaucoup de maestrie, là, par contre. Je suis lent. Alors, est-ce que je vais bourrer? Ah mais merde, il y a aussi un... Ah, là, là. Ça va être compliqué. Je vous avouerai que... À moins d'un miracle. Ah, oui, surtout que je me vautre. Bon, troisième. Tant pis. Pour moi, je me suis amusé. Il y a des gens qui sont venus, qui sont partis. Ils ont eu Snowboard Kids, ils sont du Wall of Ash. Je connais pas ce jeu, mais ça pue. Dommage. C'est un bon jeu rétro. Hein. Franchement, c'est un bon jeu rétro. Alors, ça c'est le carte, la planche la plus OP. Et ça, je crois que c'est la plus rapide, mais elle est totalement incontrôlable. Mais comme on est sur l'herbe, pas de soucis. De toute façon, j'ai une plaque de glace. Tout. Oui, il est totalement incontrôlable. Je me sens trop, ça va être compliqué. Là, là, je me souviens pas qu'il était aussi dégueulasse. Ah! Salut Sirero, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Je suis pas sûr que cette planche soit vraiment la meilleure. Enfin non, je suis clairement sûr que c'est pas la meilleure. Bon, on va changer parce que je vais pas arriver à la fin. What a race! Hop, hop. Tu stream pas maintenant, Cyril? Ah tiens, pendant que tu es là, est-ce que tu peux me... Ready? Oui, de retour sur le rétro, toujours. Est-ce que tu peux me conseiller des jeux Sega? Parce que je connais assez peu la Sega, à part les classiques Sonic, etc. Et du coup, je me demandais s'il y avait des bons jeux Sega. Ah oui, il fait toujours chaud chez toi.
Ouais, bah... qui tournait sur Mega Drive, 32X, Mega CD, j'arrive pas encore à streamer, mais je pense que je vais essayer une fois. Enfin, des trucs comme ça. Alors, j'ai déjà 2-3 jeux, hein. J'ai Street of Rage, Legend of Thor. J'ai pas voulu prendre les Sonic parce que bon, tout le monde le fait. Oups. Ah, ça, chez moi il fait plus frais là, c'est bon. Bah, bon courage pour ta canicule du coup. Alors si jamais aussi à partir de 20h je continue GoldenEye. Mais si tu streams. Shinobi. Ah, Shinobi, ouais. Alex Kidd, ouais, ok, d'accord. Alex Kidd, j'en ai beaucoup entendu parler, mais je l'ai jamais joué. C'est vrai que j'aurais pu y penser. Je vais noter tout ça. Comme ça, je pourrais faire un peu de Sega. Oulala. J'irai voir ça. J'ai vu des screens, ça a l'air sympa, mais je savais pas tellement. Oula. Puis c'est vrai que j'ai pas forcément envie de me retrouver avec un jeu vraiment abusé à chier si je dois le faire. Donc, comme je t'ai entendu dire que je faisais beaucoup de Nintendo. Et malheureusement pas assez de Sega, je me suis dit si tu passais je te demanderai des conseils. Donc du coup, on va aller chercher tout ça. C'est vrai que Shinobi, j'y avais plus pensé. J'avais joué chez un copain, j'avais trouvé le jeu excessivement compliqué à l'époque. Ouais, ça va être ça. Ouais, je sais bien, mais ça fait longtemps que je voulais faire du Sega. Parce que j'aime bien cette console. Je l'ai eu assez tard par rapport au Nintendo. Je l'ai eu carrément hyper tard, en fait. Mais je savais pas à quoi jouer. Alors, comme je connais... Enfin, je suis sapin. Oh, monsieur. Dans son console mania. Et qui a carrément des trucs indigestes. Bah, je me suis dit que si toi, tu t'y connaissais un petit peu... Tu peux me conseiller, ça serait plus bénef. Lucky. Tiens, mange pas aussi une patate sur la tronche. Le premier. Wow. On va peut-être balancer des trucs les gens. C'est dangereux. On est sur une piste de snow herbeuse. Arrêtez de penser que c'est un champ de bataille. C'est. Non, je crois que c'est un.
Et Cool Dauphin, j'y avais joué aussi, j'avais trouvé le jeu très joli à l'époque, mais j'avais rien compris. C'est peut-être le moment de m'y remettre avec un peu de cerveau en plus. Il me semblait que les contrôles étaient horribles. Et du coup, je vais voir pour les contrôles. Les expériences, c'est fait pour ça. Et l'émulation permet tellement de choses. Waouh, je vais me vautrer. Oui. Non, faut me foutre la paix là. Monsieur, prenez-vous. Mais. Ah oh, il va ninjater entre mes. Oh là là. Ce ninja. Pourtant, j'ai le surf le plus rapide. Enfin, le snow le plus rapide. Alors là, il y a un petit saut. Hop. On se vautre en beauté. Bah, je vais regarder. Ouais, de mes souvenirs, c'est quelque chose comme ça. C'est qu'il est. Il est très joli, mais il est vraiment très difficile à contrôler. Monsieur le premier, j'ai des bons pour toi. Est-ce qu'il y a eu des Bomberman sur Sega, Mega Drive? J'ai pas regardé, j'aime beaucoup cette licence. Ça va être difficile de l'attraper, je sais. Ok, du Michael Jackson. Ah mais c'est pas ce jeu d'aventure Michael Jackson où il doit buter des zombies en sautant dessus. C'est un truc trop bizarre. Je sais pas si c'est celui-là. J'aurais mieux fait de garder la plume en fait. Ça, j'aime bien aussi. Hop, mon petit bloc-notes. Toujours avoir un petit bloc-notes à côté de soi quand on stream. Ça permet de prendre des notes bien importantes. Puis j'irai faire un tour dans les limbes d'internet pour trouver ces jeux. Enfin, les noms d'internet, c'est pas le moment qu'on trouve. Oh oh, je vais me ramasser mieux. Oui, non, oui, non, oui, non, 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 non. C'est quoi ces gens là qui font pas de saut là? Tiens, deviens un bonhomme de neige pour la peine. Oui. Ouais, ouais, il me semble que c'était bien ça. Du coup, je me suis pas trompé. Mais ça peut être rigolo ça. Il est mort quand déjà? L'anniversaire de sa mort, on joue à ça. Je préviens une copine qui est fan de Michael Jackson. Je vais jouer à un jeu Michael Jackson. J'espère que la BO se respecte. Non, ça c'était pas la bonne idée.
Mais c'est pas celui-là que je voulais faire. Non, c'est plus, c'est le jour qui m'intéresse. C'était en... Attends, je travaillais encore au Cinoche. Ça devait être en 2011. 2011-2012. J'ai fini, quoi. Ouais, c'est possible que ce soit en 2012. Ah merde, c'est passé. 2009. Oh la vache. Déjà. Alors là, je suis un peu sur le coucou. Bah du coup très bien. Bah on y rejouera l'année prochaine. Ah, je trouverai une occasion pour jouer à ça. Lucky. 25 juin. Ouais, moi aussi. Mais 7 ans déjà. Pas dis donc. Ça nous rejeunit pas tout seul. Mais c'est pas celui-là que je veux faire le saut. Ah là là. Je me souviens comment faire l'autre. Ah voilà, c'est ça. Il faut aller plus vite. Oups. Ah merde. Oui. Allez, on y va. Boum. Pas taper le mur. Du coup, Alex Kidd. Oui, les Jurassic Park. D'ailleurs, j'ai téléchargé le 1. Parce que je trouve qu'il est très très cool de jouer le dino et le mec. Je trouve que c'est, à mon avis, c'est le meilleur Jurassic Park qu'ils aient fait. Ceux sur NES et Super NES sont bof, enfin, j'aime pas tellement. Mais celui sur Mega Drive est vraiment cool. Il est très dur, par contre. Et si je me souviens bien, il est buggé à 2-3 endroits bien dégueulasses. Du coup, ce qui n'arrange rien. Je vais me planter. Oh, ça va. Là, j'aurais peut-être pas dû. Ah non, ça va. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Allez, brrr, ventilateur. Oui, j'ai déjà fait un stream sur le Golden Axe. Peut-être que je le... Peut-être que je le referai... Et que je finirai du coup, parce que j'ai fait les jambes après.
le stream ou le jeu n'apportait pas parce que je... Parce que j'avais pas remarqué que j'étais arrivé à la fin. Mais c'est vrai, Golden Axe. Bon, faut arrêter de me balancer des bonshommes de neige, messieurs. De toute façon, je vous ai battu. Voilà. Allez, Shinobi. Est-ce qu'il y a un Metal Slug? Non, c'est Probotector. Ah, je sais plus. Il y a un jeu comme ça qui est sur Sega aussi. Un truc abominable, dégueulasse. Et dur à en crever aussi. Quicksand Valley. Je me souviens pas tuer. Allez, on s'en va tous en l'air avec une petite bande. Ou pas. Je suis fantomisé. Suspension Bridge. Très bien. C'est par où le milieu? Non, moi j'ai pas le choix. Tire-toi maintenant. Ouais, les lemmings, c'est juste. Le problème des lemmings, c'est que je crois qu'ils se ressemblent tous, il n'y a pas vraiment de... Ouais. Il n'y a pas vraiment de différence, en fait, entre les lemmings NES, Sega, etc. C'est un peu dommage. Bon, j'ai ça en tête, hein. Peut-être que je me trompe. Mais c'est vrai que je pourrais faire les lemmings. Moi, je suis nul aux lemmings. Les gens ils vont me traiter de sac si je joue. Oh là là. Bah je me demande si... est-ce que j'ai déchargé la mine sur NES? Parce que du coup en fait je peux télécharger sur Sega. Regardez ça. C'est où qu'on passe? Oh là. Ah. Mauvaise gestion du bonus. Castle of Illusion. D'accord. Ah merde. Ah vas-y. Comment t'as évité ma main? Oula, je joue n'importe comment, je lis le chat. Ah bah je vais pas être dans la merde. Concentré. Allez, on se reconcentre un petit peu quand même. Le stream de la détente, mais une détente quand même concentrée. Parce que finir quatrième, c'est un peu moche. Voilà. Avance, mon petit. Ma petite. Oui. Je vais prendre la façon.
première, elle est tellement grande. Ah là, subitement, je suis deuxième. Ah, ça va bien, je vais pouvoir me faire plein de jeux sur Mega Drive. Et qu'on sort, et qu'on sort. Faut que je vois si l'émulateur Saturn tourne. Parce que je sais qu'il a eu des problèmes. Ah oui, le Virtua Fighter, oui. Ça, nous sommes d'accord. Mais je ne sais pas si j'arrive à faire tourner l'émulateur Saturn. Ça, c'est le problème. Merde. Et si ça ne me sert à rien. C'est vrai qu'il y a plein de jeux sur Saturn que j'ai jamais fait, parce que je n'ai jamais eu la console. Bon, mais si je joue à Virtua Fighter, il me faut une manette en tout cas, parce que... être aplati, j'en ai marre, arrêtez de me balancer des crêpes. Ouais, la PS1 était pas loin d'être là, ou était déjà là. Puis il y a eu... Attends, c'est Saturn puis Dreamcast, ou c'est Dreamcast et Saturn? Je mélange toujours les deux. Mais grosso modo, il y en a une qui est vraiment sortie à un moment tout à fait inopportun. Et du coup, ça a un petit peu coulé. Ah, mais j'en ai marre de ce truc. Oula. Ça tourne avec une caisse, toi. En quatrième, vas-y. Mais je crois que la Dreamcast essayait de... Attends, je sais plus quand elles sont sorties, mais... Ouais, il y a eu des embrouilles à mini. C'était pas terrible. Ah mais non! Et que voulez-vous que je fasse avec ça, moi? On attrape cette pièce, lui. Ah mais attends, j'ai encore une chance. Spam B. Tiens, prends ma main. Encore une! Mais alors, Ghost and Ghoul, je suis désolé, mais il est vraiment très agréable. En tout cas, sur Super Nintendo, il est très très agréable. Il est extrêmement exigeant, mais moi j'ai trouvé qu'il était vraiment très bon. Bon, ce qui est chiant, c'est que t'arrives à la fin et le mec te dit « Ouais, il faut refaire une fois le jeu parce que... » Parce que voilà. Silver Mountain. Pourtant, tous ces niveaux, je les ai fait en or. Non, Ghost and Goblin, pardon. Moi, j'ai trouvé qu'il était vraiment très très bien. Tu perds... Enfin, quand tu perds, tu sais que c'est ta faute. T'as pas une RNG dégueulasse qui te fait faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Non.
franchement, j'ai trouvé que c'était un jeu qui est exigeant, mais qui est pas... qui est pas dégueu. Même si parfois t'as des trucs, t'es là, mais non, c'est pas possible, quoi. Bon, pour avoir envisagé aussi d'apprendre le speedrun du jeu, je le vois peut-être d'une façon un peu différente. Je vais où là, moi, pour ça? Mais il faut arrêter avec les planchettes là-haut. Ouais, Ghouls and Ghosts. Ouais. Oui, j'en ai parlé. Je confonds les deux, mais après ça, tout va bien. J'ai retéléchargé un petit peu ces jeux. Histoire de me faire plaisir avec des jeux du suicide mental. Oula. Non, mademoiselle, non, tu... non, on ne dépasse pas. Gèle bien. J'avance pas. C'est drôle ce truc. Gèle bien aussi, voilà. Tiens. Du coup, je vais avoir une belle longue liste de jeux à faire. Merci en tout cas pour ton apport à la rallonge de ma liste de jeux. C'était exactement ce que je voulais. Oh là là. Oh, quel talent. Là, je sens que ça va être moins sympa. Ah non. Après, faut que j'arrive à paramétrer un timer et puis je peux faire du speedrun. Je peux me vautrer lamentablement sur du speedrun. Mais c'est... Je m'en mêle les boutons.
Malheureusement, je vais pas pouvoir faire les vieux classiques PC. Parce que j'ai pas d'émulateur Windows 97, etc. Et je vais devoir me contenter de faire des consoles. Pas que ça me dérange outre mesure non plus, mais... Faudrait que je réessaie d'installer un... Ah, il faut que je retrouve le CD déjà. Mais il faut que je réessaie d'installer Warcraft 3. Là, je suis sûr que je peux le faire tourner sur Mac. Et du rétro Warcraft 1, ça pourrait être très très drôle. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas Warcraft 1. Surtout que c'est quoi, la fin de semaine, il y a l'extension de Warcraft, ça, la nouvelle. C'est fin de semaine, je crois. Semaine prochaine, je crois. Du coup, ça pourrait être marrant. Sinon, ça me paraît compliqué parce que je pense qu'il va falloir un codex général pour faire. Ouais, oula, ça va être difficile. Je peux essayer, mais ça va être chaud. Ah, ça me va très bien. Je vais quand même essayer de faire tourner Warcraft 1. Je retrouve le CD, donc ça va être plus dur. Ça, le 2, ça me paraît bizarre qu'il en... À la limite, peut-être le 1, mais le 2 en abandonware, ça me paraît chaud. C'est vrai? Sérieusement? Ah bah tiens, du coup, ça peut être intéressant de voir si j'arrive à les faire tourner sur Mac. Que j'aimais bien les commandes NPC. J'aime bien les jeux de gestion. Bah, mes jeux préférés de gestion, c'est plus les SimCity, mais. Mais j'aime bien les jeux comme ça. Bah, écoute, je vais regarder. Je sais que j'avais fait tourner un Command & Conquer sur mon vieux Mac. Maintenant, est-ce que je vais arriver à le refaire tourner sur celui-là? Telle est la question. Ouais, il est où le premier, là? 15 000 kits de vente. Non, je vais me planter. Ah là 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 là. Vas-y, prends-toi un parapluie. Oh, un parapluie. Un parachute. Tiens, prends-toi ça aussi. Bam, voilà. Ouais, César et Pharaon, effectivement, j'y avais joué quand j'étais très jeune, je crois. J'avais pas trouvé ça très très fandard. Wolfenstein, je l'ai pris sur Super Nintendo, je crois. Alors là, c'est la dernière course, c'est la course avec Shinobin. C'est une course qui est très courte, il y a 9 laps. C'est une course qui est relativement intense. Toujours dans l'idée qu'on joue à Snowboard Kid. Attention. Vous ne passerez pas! Merde! Vous êtes passé! Bah, il faut qu'il soit en abandonware, il faut aussi que je puisse le faire tourner sur Mac, hein, ce qui n'est pas encore gagné. Shinobin, viens là! Salaud! White Ninja. Paf!
Tu croyais m'avoir? Ah merde. Ah mais en plus c'est lui quoi. Ah non c'est pas lui. Non, Shinobi il est vraiment presque. Ouais, vas-y que je me prends mon propre garçon. Ah vas-y. C'est long. Oh là là, ils sont déjà tous arrivés à la fin. Là j'ai pas eu de. J'ai pas eu de peau. Bah ça va changer. Donc évidemment je me prends le petit mur. Sinon sur Mega Drive il y a Rempart. Oh Shinobi est tellement loin non. Il me reste encore 6 là. Je devrais arriver à faire un truc. Lucky. Ah, c'est con, je lui demande le saut. Oh là là, mais il est tellement. J'attends qu'il. Ah, bon, on a quand même pas mal réduit l'écart. Hein. Un que j'aimerais vraiment faire tourner, c'est Civilization. Faire un let's play de Civilization, ça me plairait énormément, mais je sais pas qu'est-ce qui tourne sur Mac au niveau de Civilization. Et je sais pas du tout si j'arriverai à faire tourner le truc en live. Mais du coup, tu peux faire un million d'heures, je pense que c'est sûr. Ça, c'était pas bien géré. Mais balancez les pots maintenant, bordel! Oh là là. Shinobine, reviens! Ouais, mais le Civilization 1, il est compliqué. Vraiment. Alors, autant je le trouve difficile parce qu'il y a des trucs qui sont complètement, je vais pas dire aberrants, mais qui sont difficiles à appréhender. Autant parce qu'il y a. Il y a de loin pas tout ce qui est actuellement sur les civilisations et qui du coup permet d'avoir un jeu un peu équilibré. Shinobine, merde. Bon, on va utiliser ça. Salaud. Oui, Populous. Mais Populous, il est. Populous, j'ai beaucoup joué étant petit. Enfin, petit. Étant plus jeune, et j'ai. Je suis écœuré de Populous. Je sais pas si je pourrais rejouer à Populous avant nous. Avant mes 50 ans, je pense. Une belle fois, quoi. Bon, est-ce que je peux finalement avoir les mecs? Voilà, merci. Wow. On se calme bien, monsieur. Attention, j'ai un caillou, j'ai pas peur de m'en servir. Oh, bon, cette course, elle est intense. Hein. Et bim. Zumpark aussi... que j'ai récupéré sur Mega Drive, je crois, justement. J'ai très envie de faire. Zone Hospital était cool aussi. Donc, j'ai des bons souvenirs sur certains de ces jeux. Ah, mais c'est qu'il me colle au cul, le mec. Mais arrêtez de me filer de la caillasse, bordel! Ah, est-ce que Zumpark tourne sur Mac? Je suis cœur, c'est tout.
Parce que s'il est sur Mac, je pense que je vais le prendre. Ce jeu a tellement fait planter mon ordi quand j'étais gosse. Dès que je construisais le Grand 8, c'était Apocalypse. Plus rien ne marchait, machin ramait. Bon, bah du coup, il va falloir que j'aille regarder ça. Ça me semble obligatoire. Mais arrêtez de me balancer de la caillasse, je m'en fous des cailloux. Ah là, c'est ça que je... C'est ça qu'ils veulent les jeunes. C'est des bombes. Alors, s'il y en a un qui a la bonne idée de me balancer... Merde. Évidemment, je vois pas le caillou. Bien fait pour toi. Me balancer les palettes, là, ça pourrait être bien. Attention. Pourquoi j'ai changé? Ouais, c'est bon. Oui! Eh, bingo! Et voilà, Shinobin, tu es vaincu. Non mais j'étais... Quoique j'ai pas fait le premier, ça pourrait être intéressant de tester. Allez, le générique de fin. Pendant ce temps-là, je bois un peu. Ça, je me suis pas trop mal démerdé sur... Donne-moi ton hamburger. Non, allez. Ce générique de fin est terrible. À part que il y a pas, on voit pas du tout les noms. Là, subitement, on les voit. Qui arrivent pas à se battre parce qu'ils ont donné trop loin. Ah oui, je veux bien. Il faut que tu m'envoies un... Faut que tu m'envoies un message privé. Oui, c'est bon. Viens là que je te marave la tronche avec une tranche de soif. Là, de soif. Ha 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 ha.
Warzone 2100, ok. En plus, la vidéo. Merde, y'a un mec qui nous regarde, franchissons le quatrième mur. Coucou. Faut que j'aille regarder tout ça. Ça avait beaucoup de jeux potentiels à faire. Je vais pas avoir assez de temps pour faire tout ça. Je vais sauver. Alors.